Et qui a peur d'avoir des certitudes. Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que le non-être? Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une bête? Qu'est-ce que le bonheur? Est-ce que je suis ce que je pense? Ou ce que je pense est-ce que je suis? Qui je suis réellement? Suis-je un dieu ou un diable? Suis-je un ange ou un démon? Suis-je tout ou rien? Peut-être, ben j'en doute. Je suis celui qui doute que je doute, je sais. Je sais que je sais tellement de choses, je ne sais rien. Je ne sais rien ni de la vie ni de la mort. La vie et la mort, c'est deux prostituées danseuses, prétentieuses. Venez danser avec moi, mes bébés. Un petit pas à gauche, un petit pas à droite. La vie, dites-moi, bébé, pourquoi la vie ne vit pas? Hein? Pourquoi vit-on pour mourir, hein? Demandez à la mort. La mort, pourquoi la mort ne meurt pas, hein? Pourquoi la mort vit? Pff, la vie, vous n'êtes qu'une butte éternelle qui nous couche par la mort. Quel mal. Non, quel bien. Non, quel mal bien. Oh, le bien et le mal donnent du sens à l'existence. Mais quel est le sens de ce sens? Quelle cohérence incohérente. Quelle vie morte. Quel univers mondial. Qu'est-ce que je dis là? Je suis vraiment un fou qui possède la raison. Je suis vraiment un malade qui apporte la guérison. Je suis un interrogateur, un masturbateur de mots. Un penseur, un voyageur, un buveur, un verbomane. Un petit grand homme, un vomisseur de verre. Je suis un philosophe. Quand commence le commencement? Et quand finira la fin? Quelle est la finalité de la vie? Non, quelle est la finalité de la finalité? Et qu'est-ce que ça me fiche? Vous ne viendrez pas dans mon enterrement? Je ne vais pas mourir pour ça! Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça, hein? Vous voulez ma photo? Qui vous êtes pour me regarder comme ça, hein? Vous êtes poète? Vous êtes écrivain? Avez-vous la certitude que vos écrits ne seront pas en vain? Hein? Qui va vous lire ici? Qui va vous écouter slammer? Les Dexter? Les Rabodaïs? Les Scouscous? Ou pas Kafouké-moué? Vous écrivez dans le vide du vide. Ici, votre feu poétique est humide. Si Grand Corps était un slameur haïtien, est-ce qu'aujourd'hui ne serait-il pas malade? Vous êtes vraiment des philosophes. Vous êtes professeur, vous êtes savant. Vous êtes universitaire, étudiant. Les yeux de la terre bleue et rouge vous voient comme une bête noire. Comme un ennemi, comme un roi sans gloire. On vous hait ici, on ne vous aime. Moi, pour courir derrière ma folie, je bois.